Revenu sur le devant de la scène ces derniers jours après son apparition sur le Tour de France, Richard Virenque est un homme heureux et en couple depuis plus de 10 ans avec la belle et surtout très grande Marie-Laure. Pour les amoureux de cyclisme, le nom de Richard Virenque restera longtemps lié à l'histoire du Tour de France. L'ancien coureur français aura réussi certainement de ses meilleures performances sur la Grande Boucle, prenant le maillot jaune en 1992, remportant cette étape dans sa carrière et terminant à 7 reprises avec le maillot à poids sur les épaules à Paris. Malheureusement, sa carrière est entachée par ses aveux de dopage et il finit par prendre sa retraite en 2004 dans un relatif anonymat. Très populaire auprès des spectateurs français, Richard Virenque ne reste pas moins quelqu'un d'assez discret et qui dévoile peu de choses sur sa vie privée. De 1997 à 2008, le sportif a été marié à Stéphanie, avec laquelle il a eu 2 enfants, Clara et Dario. Après cette longue histoire, il retrouve l'amour dans les bras de Marie-Laure, avec qui il vit depuis 2012. Les deux tourtereaux ont fait plusieurs sorties ensemble, notamment au Festival de Cannes en 2014 et on a pu se rendre compte à quel point la nouvelle compagne du cycliste est grande. Les photos sont à retrouver dans le diaporama. Le bonheur avec Marie-Laure et Eden pourtant, Richard Virenque n'est pas considéré comme petit avec une taille annoncée à 1,79 m, mais à côté de sa femme, il paraît bien plus petit. Très élancé, la grande blonde a un physique impressionnant. Le couple semble en tout cas très heureux et en novembre 2014, ils ont accueilli leur premier enfant, Eden. Âgé aujourd'hui de 8 ans, le petit brun a fait sa première apparition publique ce mercredi 19 juillet en accompagnant son père sur les routes du Tour de France. Invité de l'émission de France Télévisions, Vélo Club, dans laquelle Laurent Luyat et ses équipes analysent les performances des coureurs, l'ancien grimpeur avait fait le déplacement avec son cadet. S'il s'exprime moins dans les médias, on imagine que Richard Virenque doit apprécier cette édition du Tour de France. Avec un phénomène comme Jonas Vingegaard et l'éclosion de nouveaux talents français, à l'image de Victor Lafay, on ne s'ennuie pas cette année et ce n'est pas l'ancien cycliste qui dira le contraire.